Alors voici notre assiette, ou en tout cas une partie de notre assiette, puisque c'est une poêlée, une fricassée de champignons aux boulettes de lentilles corail. Voici les boulettes. La fricassée de champignons est ici. On a un petit plat d'automne, puisque le champignon est une denrée courante en automne. On peut même aller cueillir des champignons dans les bois. Et les lentilles corail sont à la fois une légumineuse et un féculent, nourrissant, pas cher, et avec beaucoup de goût si vous y rajoutez piment et épices, comme vous voulez. Le jus est composé de carottes, pommes, citron et gingembre. Santé, hein ? Excellent. C'est une lasagne végétale. C'est à base de... C'est à base de bêtes, de tomates, de pommes de terre. Qu'est-ce qu'on a mis encore ? Et d'oignons. Et le tout est gratiné. Nous avons de l'ail aussi, des poivrons et du chorizo. Mais on a pensé qu'il était indispensable de faire aussi le lien avec la politique agricole des consommateurs. Et donc avec la capacité qu'on a d'offrir aux gens en général la possibilité de manger pour pas cher, et problème extrêmement important aujourd'hui, pouvoir d'achat, je vous fais pas un dessin, donc ce sont toutes des recettes à environ 2 euros. Qu'est-ce qu'on en fait? On le distribue sur les marchés. C'est le meilleur endroit, c'est là où les gens vont acheter leurs légumes, et donc des premiers retours que nous avons eus, ça marche du tonnerre. Alors délicieux et même trop bon, très bien mangé, puis bien papoté aussi avec ceux qu'on a essayé de convaincre, qui avaient moyen de faire tout à la fois, bien mangé, pour pas cher, dans une belle ambiance, et puis surtout en préservant aussi un peu la planète, le CO2, son empreinte écologique. J'espère que ça va marcher.